Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez particulière. Je vais tout simplement vous parler des prochaines vidéos que je vais filmer. Il va y en avoir 4 ou 5 que je vais faire, je pense, d'affilée. Et je voulais aussi vous faire une annonce. Je voulais vous la faire face caméra parce que dos à la caméra, j'ai rien à vous montrer. Donc ça aurait fait un peu bizarre, quoi. Vous aurez vu une table noire et mes mains éventuellement. Donc je voulais en fait tout simplement vous annoncer que je vais mettre ma chaîne YouTube en veille. En fait, je vais arrêter de poster pendant un certain temps des vidéos, tout simplement parce que je me rends compte que ça ne me correspond pas. Voilà, j'adore partager, mais j'ai une personnalité en fait assez réservée. Voilà, et je continuerai à partager sur mon blog et sur ma page Facebook, sur mon groupe Facebook surtout. Donc si ça vous intéresse de continuer à connaître ce que je peux partager, ce que les filles aussi partagent sur le groupe, parce que tout le monde est libre de partager sur mon groupe. C'est au contraire, c'est ça qui fait la richesse du partage, c'est que tout le monde soit libre de pouvoir le faire. Donc voilà, si vous voulez partager avec nous, nous rejoindre, vous pouvez sans problème demander à être intégré dans le groupe. Seulement il est réservé aux femmes, hein. Voilà, si vous êtes un homme et que vous voulez rentrer, là c'est pas possible, voilà, c'est réservé qu'aux femmes. De toute façon, je vois pas ce que la beauté peut intéresser aux hommes. Enfin bref, c'est pas des choses qui se partagent avec des inconnus. Voilà, donc ça se partage qu'entre filles. Donc voilà, c'était juste pour vous informer de ça. J'espère que ça ne vous déçoit pas. C'est juste que ça me correspond pas. Je peux pas continuer à faire quelque chose qui ne me correspond pas. Je vois bien que mon style de vidéo n'est pas du tout et très loin du style de vidéo qui est publié aujourd'hui sur Facebook. Donc maintenant je vais passer au programme de mes vidéos. Je vais vous présenter la Beautiful Box du mois de juillet que j'ai reçue, que l'équipe de la Beautiful Box a eu l'extrême gentillesse de me l'envoyer. Je vous remercie beaucoup si vous passez par là. Donc je vais vous présenter le contenu de cette box. On va la découvrir ensemble. Je vous avoue que j'ai beaucoup beaucoup de mal à résister à l'ouvrir, mais je l'ai fait, comme ça on découvre ça ensemble. J'ai également une vidéo que je vous avais promis sur le groupe et aussi ici. Ce sont mes indispensables du site Aromazone. Voilà, c'est pour aider les filles qui ont du mal à commander sur ce site et vous baser sur mon expérience, parce que j'ai vraiment testé beaucoup beaucoup de produits. Je me suis énormément documentée sur ce site et j'ai testé beaucoup de produits. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager mon expérience sur les produits de ce site. Donc je vais vous présenter vraiment mon top top du top, parce que si je vous présente tous les produits que j'ai testés, je pense que demain on n'aura pas fini. J'ai également envie, et on me l'a demandé aussi, de vous montrer comment je trace mon tracé de sourcils. J'ai modifié volontairement en fait la forme de mes sourcils, donc ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus foncés. Ça fait pas naturel du tout, mais moi, c'est ce que je recherche, en fait. Je veux pas que ça fasse trop naturel. Je veux que ce soit, que ça marque, en fait, le regard. Vous voyez, que ce soit plus, un petit peu choquant, quoi. En ce moment, j'aime bien faire ça. Mais en tous les cas, là, je vais vous présenter juste le tracé, que je vais faire avec ce produit de chez NYX. C'est la pommade, de chez NYX que j'ai commandée en noir, qui est en réalité un marron très très foncé. Bref, on en reviendra dans la vidéo. Là, je m'égare. En tous les cas, la forme, elle, est universelle. La couleur, est de votre choix. Moi, j'ai choisi la couleur la plus foncée. Et qu'est-ce que... Voilà, j'ai ça. Et, ah oui, et bien sûr, un haul AliExpress. Voilà. J'ai aussi des produits que je dois tester, dont une marque de produits solaires bio que j'ai rencontré... que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur le salon Alternative Beauté sur Paris. Et ça s'appelle la marque s'appelle UV Bio. Donc ils sont spécialisés, c'est une petite marque française qui est spécialisée
dans les produits, ça a l'air 100% naturel, bio. Ils ont le label Écocert. Ils ont vraiment investi en fait pour présenter de la très bonne qualité. C'est une petite marque qui a investi pour avoir les certifications possibles parce que ils utilisent vraiment de très très bons produits pour leurs solutions bio. Donc c'est vraiment une marque que j'ai vraiment vraiment appréciée et que j'aimerais découvrir de plus en plus. Donc ils ont eu la gentillesse de m'envoyer quelques-uns de leurs produits pour que je puisse tester. Je vais très certainement faire un article sur le blog et j'en parlerai aussi sur mon groupe au fur et à mesure que j'aurai testé les produits, parce que pour tester un produit il faut quand même un certain temps, on ne peut pas les tester en une semaine. Voilà, je pense que c'est tout. Ah oui, j'ai aussi ma routine soins visage spécial peau grasse, parce que celles qui me suivent, ma peau est devenue grasse et du jour au lendemain. Elle était normale, je pouvais lui mettre tout ce que je voulais. Et du jour au lendemain, ben, elle est devenue grasse, elle brille. Voilà. Là, elle brille. Vous la voyez un petit peu briller, mais en fait, c'est à cause du soleil aussi. Donc je vais vous montrer aussi les produits que j'utilise. Et pour information, là, mon trait de liner, je le fais avec un très très bon produit. J'en ai testé deux dernièrement. J'ai testé le Cream Eyeliner de chez ELF. Celui que je porte, il est excellent, les filles. Il est excellent, il coûte 5 euros. Et j'ai testé aussi celui de la marque Max & More de chez Action, qui est bien, mais qui s'applique pas aussi bien que celui-ci et qui n'a pas un finis aussi noir. Donc, moi, j'aime beaucoup celui-ci. Vraiment, hein. Il est vraiment très bien. Pour moi, c'est le meilleur celui-ci. Et je l'applique. Il le livre avec un petit pinceau comme ça. Mais je l'utilise. C'est pas celui-ci que j'utilise pour faire mon tracé de liner. Celui-ci, par contre, je l'utilise pour faire mon tracé de sourcil. Il est très très bien pour ça. Pour mon trait de liner, en fait, le pinceau que je vous conseille. La fille qui s'égare, mais c'est pas grave. C'est des informations utiles quand même. C'est ce genre de pinceau, vous voyez, tout fin, tout plat et petit, que j'ai acheté avec un lot sur le site AliExpress qui a coûté peut-être 2 euros. Vous allez tout de suite les reconnaître, celles qui ont l'habitude de se balader sur AliExpress. Vous voyez le genre? Il y en a vraiment beaucoup. Donc en fait, dans le lot, il y avait ce petit pinceau liner, et avec ça, pour vous éclater ce trait de liner, vous pouvez faire tous les tracés de liner fin, épais, dégradé, tout ce que vous voulez avec ce genre de pinceau. C'est vraiment les meilleurs. Voilà. Donc moi je suis très contente de ce produit, 5 euros. Voilà, je savais qu'on allait me demander pour mon trait de liner. Peut-être pas, hein, peut-être que vous auriez pas demandé, mais c'est pas grave, je vous l'ai dit parce que c'est un très très bon produit. Voilà les amis, je vais donc tout de suite commencer par mes vidéos. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bye bye.